Voilà, donc dans ce magnifique événement BIM World bas carbone, les rencontres jumeaux numériques, beaucoup beaucoup de monde, on a pu le voir, des débats hyper intéressants, vraiment, c'est un grand plaisir pour la mission Écoterre d'être présent pour la troisième année consécutive de cet événement qui prend de plus en plus d'importance et on en est ravis. Et puis également ravis de nous retrouver avec nos amis des émotionneurs. Bien évidemment, ils sont là, tout près, avec toujours autant de gentillesse et de talent. Quelle solution numérique à l'heure de la transition énergétique des territoires? Alors j'ai beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai trois dames à mes côtés. En l'occurrence, Florence Presson, vous êtes adjointe au maire de Sceaux, déléguée aux transitions et à l'économie circulaire et solidaire. À mes côtés, on la connaît bien, la mission Écoterre, parce que c'est aussi notre vice-présidente et on en est très fiers et ravis de retrouver Mona Trecchia, qui est conseillère territoriale en charge du développement numérique de pleine commune Grand Paris. Elle a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Et enfin, Constance Le Gallet, je n'écorche pas votre nom, madame, qui est chargée de mission Innovation Territoire et Smart City, Pôle Écosystème et Développement, département de la transformation numérique et de la stratégie digitale de la Banque des Territoires. Ça fait beaucoup, 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 chère madame. Alors, dans le thème qui nous préoccupe, je vais commencer par la Banque des Territoires, si vous le voulez bien. Constance, alors comment mettre finalement le... Alors, la Banque des Territoires, vous allez nous dire quelques mots, bien évidemment, et comment mettre le numérique au service de la transition énergétique et écologique dans les territoires? Oui. Merci. Déjà, je voulais juste commencer par en disant que moi aussi, j'étais ravie d'être présente sur ce plateau, ce grand plateau, et de voir toute cette émulation dans ce salon. Enfin, qui est, je trouve, c'est très inspirant et très dynamisant de voir autant de monde et même à 5h20 d'avoir toujours autant de monde. Donc, merci pour l'invitation. Donc oui, effectivement, à la Banque des Territoires, on travaille beaucoup et depuis assez longtemps maintenant sur les sujets de du numérique au service de et de plus en plus au service de la transition. Déjà, je voudrais dire qu'on a deux convictions, enfin on en a beaucoup, mais là, que je partage ici, qui sont un, que oui, le numérique est un outil au service de la transition de la TE, comme on dit. Et la deuxième conviction, c'est que ce numérique, cet outil ou la data, c'est vraiment, ce sont des outils qui peuvent être utiles à tous les territoires, quelle que soit leur taille, et pas uniquement, comme on peut le penser parfois, l'apanage des métropoles. On est vraiment, nous, sur l'accompagnement de tous les territoires. Alors, sur la transition énergétique, pour commencer, on fait pas mal de choses. On publie beaucoup d'études, de contenus, on fait des événements, et on essaye au maximum de faire parler les territoires pour avoir des retours d'expérience de tous les territoires, que les territoires se parlent entre eux, d'être cette caisse de résonance pour eux, notamment sur la transition énergétique. On en a plusieurs, vous pourrez trouver sur notre site. Ensuite, on met à disposition des territoires des services digitaux. Et notamment, on a un service qui s'appelle PrioRéno, qui est assez relativement récent, je dirais, qui a été développé en partenariat avec Enedis et GRDF, dont le but est d'aider qui est gratuit, et dont le but est d'aider les territoires à prioriser la rénovation énergétique de leurs bâtiments. Donc là, on est vraiment dans le sujet, comment un service digital peut, en mettant en parallèle les bâtiments publics et leur consommation énergétique, aider à la décision sur les actions à prendre. On accompagne aussi en ingénierie, donc tout ce qu'on, de façon un peu classique à la Banque des Territoires, en conseil finalement. Et on a eu un zoom dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, parce que je travaille particulièrement sur Action Cœur de Ville, donc ce que je disais sur les villes moyennes. Donc on a eu un zoom dans Action Cœur de Ville sur l'accompagnement, l'ingénierie sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc qui va avec PrioRéno, enfin c'est un peu la continuité de PrioRéno, où là on aide les territoires concrètement avec des gens qui viennent les aider à prioriser et à mettre en place des démarches de rénovation des bâtiments publics. Et donc on cofinance ces projets-là pour aider les territoires à les mettre en place. Et peut-être le dernier point que je voulais dire, c'est que, enfin on l'a un peu dit là, mais que... Donc oui, le numérique est un outil au service de la transition énergétique, mais aussi et surtout, ne pas oublier la transition environnementale au sens plus large. Parce que pour nous, on a vraiment ce champ d'action TE avec les deux E qui sont ensemble. Alors Constance, vous avez à vos côtés deux élus. Oui.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'ils ont un projet, lorsqu'ils ils veulent mettre en marche une démarche, ils viennent vous trouver, vous montez un dossier, vous financez. Oui. De manière concrète, je oui. suis élu, il y a Mona qui est à côté de vous. Comment ça se passe ? Alors oui. Il y a une commission qui se réunit. Alors nous, en fait, on est une banque décentralisée. Donc en fait, les interlocuteurs des territoires, ça va être leur direction régionale en région. Donc en fait, on a une direction régionale dans chaque région, comme leur nom l'indique, qui vont être les interlocuteurs premiers, en fait, comme vous, votre banque en tant que particulier, des territoires pour aller monter leurs projets. Donc ça peut être des projets effectivement de financement, d'investissement. On investit dans des SEM, dans des dispositifs, voilà, des montages juridiques un peu particuliers. Et on fait aussi de l'ingénierie. Donc l'ingénierie, moi je vais juste parler de là où, enfin, ce que je connais le mieux, qui est l'ingénierie dans le cadre d'Action Cœur de Ville, où on a vraiment mis, enfin, il y a beaucoup de crédits d'ingénierie qui sont à disposition. Et notamment, on a monté un petit dispositif avec Open Data France, où on accompagne en ingénierie des territoires sur l'expérimentation d'outils numériques au service de la transition. Donc c'est exactement notre sujet aujourd'hui. Donc on essaye, en fait, on accompagne plus particulièrement dans le cadre d'Action Cœur de Ville les villes moyennes qui ne sont pas forcément outillées ou qui n'ont pas toutes les compétences nécessaires. Donc on essaie de les pousser dans cette direction. Et là, sur l'expérimentation au service de la TEE, on accompagne, il y a 3 villes qui ont répondu, qui travaillent sur les îlots de chaleur urbains. Donc vraiment, comment je caractérise mes îlots de chaleur et je croise des données pour mettre les bonnes essences, les bons arbres pour résorber ces îlots de chaleur. Ou beaucoup sur des atlas de la biodiversité, de la connaissance sur le patrimoine arboré. Donc voilà, et elles sont allées voir, elles ont répondu à notre AMI, mais elles peuvent aussi aller voir directement la Banque des Territoires. Alors, la Banque des Territoires, je le disais à vos côtés, 2 élus. Mona Trecchia... Grand Paris, pleine commune Grand Paris. Alors, il y a les JO, bien évidemment. Le numérique sera au centre, d'ailleurs, de ce prochain événement planétaire, avec aussi un souhait sur l'environnement. Il y a vraiment des règles. Qu'est-ce qui se passe sur pleine commune actuellement, notamment en termes de numérique et d'énergie, de transition énergétique ? Alors, pleine commune, 440 000 habitants, 9 villes de Seine-Saint-Denis, terre d'accueil des JOP 2024. Comme vous l'avez évoqué, ça va être un très, très grand focus. Et puis, c'est la plus ancienne communauté d'agglomération et qui a dans son cœur, en tout cas, la transition énergétique, la transition écologique et plus communément aussi un des territoires où le programme de rénovation urbaine au niveau national est un des plus grands programmes de rénovation urbaine puisqu'il concerne l'ensemble des 9 villes. Alors, le numérique, pour moi, c'est plus qu'un outil, c'est un levier d'accélération. Un levier d'accélération, parce que outil, j'ai l'impression que c'est un terme un petit peu très, très réducteur. Et en fait, c'est vraiment un véritable levier d'accélération pour la transition écologique, la transition énergétique. Et cette transition écologique et énergétique ne se fera pas sans un numérique, sans une stratégie numérique éthique, responsable, durable et résolument inclusive. Donc, ce qui se passe à pleine commune, on est en train de préparer effectivement les JOP. On s'aperçoit très, très vite quand on est sur notre territoire que la piscine olympique, elle pousse chaque jour de plus en plus haut, je dirais. On accueille sur notre territoire 2 grands data centers, les plus grands d'Europe, Interxion et Equinix. Et dès l'origine du projet, on s'est tout de suite posé la question environnementale et la récupération notamment des chaleurs. Alors, pour exemple, vous allez avoir la piscine olympique qui va être chauffée. Alors l'environnement exactement, est au cœur même. Hein. Via un de ces grands data centers. Et puis sur l'autre data center, je dis souvent, c'est pas une soucoupe volante qu'on voit en passant sur la A86. Hein, c'est vraiment un énorme data center à plus d'un milliard d'investissements sur 5 ans. Et ça va pouvoir chauffer concrètement, de manière pragmatique, plus de 70 000 logements du côté de la Courneuve. On a aussi, et on a gagné, on en avait déjà parlé, ce beau projet aussi de métabolisme urbain. On parle d'économie circulaire. Et en fait, l'idée, c'est de travailler avec les écosystèmes du secteur du BTP. Le secteur du BTP, c'est le premier secteur économique de notre territoire. Et on travaille avec eux pour créer la première plateforme B2B de marché de réemploi. Donc,
de manière très concrète et très simple, c'est comment je récupère des déchets de chantier pour en faire des matières premières sur d'autres chantiers. Donc là, avec de l'intelligence artificielle, on sera sûr que ça ne sera pas ChatGPT, ça sera vraiment du prédictif pour pouvoir assurer la programmation, en tout cas des chantiers, et assurer cette création de valeur, d'emploi, et puis de réduire notre impact environnemental. Et aussi, ben, on est très heureux parce qu'on a gagné un projet européen sur la partie métabolisme urbain. Et c'est aussi l'occasion de dire que les territoires, qu'ils soient petits ou grands, sont au cœur de la transition écologique et de la transition énergétique. Et travailler avec d'autres territoires, même très lointains, on pense à des territoires dans le sud, ça nous permet de mieux penser les solutions avec un numérique responsable qui, dès le départ, on parle d'éco-conception, on parle de loi REN, pour ceux que le sujet a intéressé, qui a été voté au 30 juillet dernier. L'idée, c'est vraiment de faire de l'environnemental by design et de réduire notre impact, aussi bien de la cybersécurité by design, on a aussi la responsabilité, je dirais, by design, et c'est très très important. Et puis il y a un gros sujet qui va nous emmener tous, parce qu'en fin de compte, moi j'appelle mettre fin ensemble à cette fameuse malédiction écologique, parce que on a envie, dans ces temps un peu complexes, d'avoir un peu de positif aussi, et ça fait du bien, de se dire que chacune et chacun de nous sommes impliqués, qu'on a tous un impact à notre niveau, et on va travailler aussi, on y travaille d'ores et déjà à Pleine Commune, sur la révolution des usages, pour justement travailler avec et pour nos habitants, parce que ce qui nous pilote, hein, c'est vraiment les retombées pour les habitantes et les habitants. J'échangeais avec vous sur les panneaux photovoltaïques. Exemple simple. L'idée, c'est pas d'avoir des pépinières de panneaux photovoltaïques, mais c'est d'assurer qu'on construit les territoires de confiance, mais les territoires aussi résilients de demain, et s'assurer qu'on récupère bien toute cette électricité produite, notamment. On est en crise énergétique, il y a la crise de l'eau aussi qui arrive, qui est déjà là à nos portes. L'idée, c'est vraiment de se dire comment on peut récupérer cette énergie créée pour aller alimenter des bâtiments municipaux, des écoles, des cantines, etc., pour pouvoir faire cette économie collective. Et puis, vraiment, on a tous un rôle, chacune et chacun, dans nos gestes au quotidien. On a un impact et il ne faut pas l'oublier. On y reviendra. Alors, on le voit bien, hein, numérique et transition énergétique, environnementale des territoires, quoi qu'on en dise, font très, très, très bon ménage. Il y a une vraie prise de conscience, responsabilité, du côté, bien sûr, des institutions, mais également du côté de nos élus. Alors, la deuxième élue, et je suis ravi de vous accueillir, Florence Presson, je le disais, vous êtes adjointe au maire de Sceaux, déléguée aux transitions et à l'économie circulaire et solidaire. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Sceaux ? Alors, merci beaucoup, pour l'invitation. Choses. Voilà, il se passe beaucoup de choses. Vous savez, Sceaux, ville de 20 000 habitants, métropole du Grand Paris au niveau du Sud, c'est une ville de 20 000 habitants et la baseline, c'est à la croisée des talents. Et ce que dit le maire de Sceaux, c'est que les experts, les spécialistes, ce ne sont pas forcément les gens d'ailleurs, mais ce sont chacun et chacune des habitants. Et je pense que cette définition-là est plutôt pas mal, même si... Non, mais elle est bien, est très bien, ouais. Elle vous va bien. Voilà. Alors, justement, une fois qu'on a dit ça, on s'arrête pas là. Ces habitants, s'ils ont l'expertise, s'ils connaissent leur territoire, s'ils aiment leur ville et ils aiment y vivre, eh bien, faut leur donner de la place pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est dans ce cadre-là qu'on a créé le comité consultatif des transitions, qui est vraiment un lieu avec des personnes volontaires, des habitants volontaires, des associations, mais aussi du tirage au sort, et puis des personnes qui arrivent en se disant... transition, de quoi s'agit-il ? Mais j'ai pas de valeur ajoutée, je peux rien y faire. Si, si, parce que selon les groupes de travail, chacun va y investir et penser à un certain nombre de solutions. Et c'est l'exemple, par exemple, du Fab Lab Innovation et Numérique qui va ouvrir ses portes en novembre prochain. Et ça a commencé par une rencontre avec des étudiants de l'IUT, parce que 20 000 habitants à Sceaux, mais 10 000 étudiants, qui ont commencé à se dire, ben, nous, un Fab Lab, on trouverait ça intéressant, il en existe un sur le textile, faisons un dans l'innovation.
Et là, il y a une douzaine de jeunes qui ont été faire des enquêtes, qui ont été rencontrer les habitants, qui ont rencontré les jeunes qui ont été à l'école et qui ont commencé à imaginer à quoi pourrait ressembler un Fab Lab dans un lieu qu'on leur a mis à disposition qui est hyper contraint. Et finalement, ça a été un travail. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ben, on réunissait ce comité consultatif des transitions. Ils expliquaient, ils avaient un retour avec des habitants qui disaient « Mais ça, ça ne sert à rien. Pourquoi vous faites ça ?» Donc, ça a été pour eux très pédagogique. Et en même temps, je dirais, on a aujourd'hui un Fab Lab qui commence à devenir une vraie réalité. À ce titre-là, il fait partie des projets qu'on a présentés auprès de la Banque des Territoires dans un appel qui s'appelle les quartiers métropolitains d'innovation. Et je pense que grâce à ce travail collaboratif qui a été fait avec les habitants et avec ces 12 jeunes, eh bien, c'est peut-être comme ça qu'on a gagné. On fait partie des 4 communes sélectionnées dans ce quartier métropolitain d'innovation. Alors, quartier métropolitain d'innovation, pardonnez-moi, ça veut dire quoi concrètement parlant ? Alors, on fait un focus sur un quartier. Donc, à Sceaux, c'est le quartier qu'on appelle le quartier des Blagies, qui est pile à la frontière avec 3 autres communes, Bourg-la-Reine, Bagneux et Fontenay-aux-Roses. Et dans ce quartier, il y a énormément d'équipements sportifs. Il y a une scène nationale, mais qui est plus ouverte, finalement, pour les habitants de Paris qui viennent. Et puis, pour les C1, qu'on appelle plutôt du quartier centre, et beaucoup moins sur le local. Et on s'est dit, finalement, il faut qu'on sorte un petit peu l'image de ce quartier, qu'on développe beaucoup plus l'économie circulaire, beaucoup plus de biodiversité. Et on s'est dit, finalement, ce quartier métropolitain d'innovation, c'est un peu comme la table ronde. On ne veut pas forcément parler du numérique. Le numérique, c'est un accélérateur, c'est un facilitateur de solutions. Mais nous, ce qu'on veut, c'est innover. Innover sur cette espèce de parking qui est, par exemple, un centre de chaleur. Comment faire pour le verdir, mais pas juste planter 3 arbres. Comment faire pour peut-être transformer en verger. Comment faire pour que les habitants se l'approprient, que les enfants décident d'y construire des cabanes, pourquoi pas. Et là, c'est tout un travail que nous menons avec la Banque des Territoires dans ce cadre-là, avec Paris & Co, avec l'Institut Paris Région. Et l'objectif, c'est d'être un terrain d'expérimentation pour 6 ou 7 start-up qui vont venir tester leur concept et leur modèle économique. Donc, on a 18 mois pour faire émerger de nouvelles solutions que l'on aura plaisir à partager avec toutes les autres communes. Aussi pour vivre peut-être ce qui pourrait s'appeler un échec pour certaines, mais qui finalement, c'est source de formation, c'est de se dire ce modèle-là, il est peut-être à réadapter. Sur une ville de 20 000, ça marche peut-être pas. Sur une plus grosse, une plus petite, il y a peut-être plus d'intérêt. Donc c'est vraiment être une terre d'innovation pour ces acteurs économiques. Alors merci Florence. Il nous reste quelques minutes, autrement je vais me faire gronder parce qu'il y a encore un programme très 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 intéressant et passionnant juste après nous, il ne faudra pas bouger. Quelques mots, si vous voulez bien, une minute environ pour chacune d'entre vous. Je vous écoutais tout à l'heure et j'entendais, il en ressortait qu'il est quand même très important pour vous en tant qu'élu ou Banque des Territoires, représentante de la Banque des Territoires, d'être dans de tels événements. Ça permet ce que vous puissiez parler entre vous, échanger entre vous. C'est ça, Mona ? Ben, moi, je pense qu'il est primordial de pouvoir être au cœur, je dirais, des créateurs de solutions. C'est l'objet aussi de ce salon. De pouvoir échanger parce que nous, on est, en tout cas moi, je prône un nouveau partenariat public-privé, population et planète. Donc c'est essentiel de savoir ce qui se passe, de co-construire aussi de manière collaborative et participative. Vous avez évoqué les expérimentations. Moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'échec. On apprend. On apprend toujours et il faut accepter aussi de se mettre en démarche d'amélioration progressive pour construire ensemble, je dirais, le monde durable de demain. Oui, bah, pour nous aussi, c'est très important de venir dans ce type d'événement. Alors, bah, je pense que, bon, déjà, dans l'ère, j'ai envie de dire post-Covid, même si voilà, c'est un peu difficile à dire, on a tous envie de se revoir et de recréer ce lien, d'aller voir ce qui se passe, d'échanger avec les gens dans tous les temps informels et de participer
à tous ces retours d'expérience, parce que nous, on le voit, c'est toujours les retours d'expérience concrets, et quand on donne la parole au territoire qui a le plus d'intérêt, on voit, c'est là où on fait le plus de vues, le plus de téléchargements de nos études ou des choses comme ça. Donc on est partenaire d'un certain nombre d'événements comme celui-ci ou d'autres associations qui organisent des événements pour pouvoir aussi montrer qu'on est à vos côtés. Merci Constance. Florence, le mot de la fin. Alors effectivement, un lieu comme ça, c'est réécrire une nouvelle relation entre public-privé. Il n'y a pas les uns et les autres de l'autre, mais on est tous acteurs et ce n'est qu'ensemble qu'on réussira cette transition énergétique, environnementale, écologique et sociale. Numérique et transition énergétique des territoires, je me répète, environnementales, ne font très 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 bon ménage. En tout cas, mesdames, merci. Merci à nos amis des émotionneurs. Vous ne bougez pas, car je vous assure que le programme, en cette fin de journée, première journée de ce BIMworld bas carbone, les rencontres jumeaux numériques, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Demain, bien évidemment, un grand merci à vous trois, mesdames. Merci à Quentin Melemiastre, il est là devant, toujours aussi discret, qui nous a aidés à préparer ce plateau. Merci, à bientôt. Bye bye.